Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo sur Movie Star Planet. En chanson ou pas. Alors, il y a le nouveau thème. Je n'ai toujours pas fait ma quête, il va falloir que je fasse ma quête. Il est où le cadeau? Alors il devrait y avoir un cadeau, je suis aveugle je crois. Bah si, il devrait y avoir un cadeau là. Ouais ça, le cadeau c'est ça. Non c'est pas ça. L'autre la fille, elle a pu... Ah mais il est là, je suis aveugle. Il est là. Il est là! Oh, c'est trop chou! La fille qui découvre. J'avais même pas vu qu'il y avait accessoires pour Pet-Pet. C'est la première fois que je découvre en vidéo qu'il y a accessoires pour Pet-Pet. Enfin bon, il y a le nouveau thème qui est sorti. Et apparemment, il y a un machin Easter, je sais pas quoi. On va aller voir ensemble avant que je ne commence à laguer. Normalement, ça devrait encore aller. Et on va découvrir ensemble ce que c'est le nouveau thème. Donc, c'est Spring Moon. Et bon, ça a l'air plutôt cool. Hein. Ça a l'air plutôt cool. Voilà, Metawalp. Voilà, Apwell. Spring Moon, ça fait pas un petit peu genre vampire comme thème? Je me dis, moi ce que vous en pensez, si d'après vous, ça fait un peu vampire, je sais pas, Spring Moon, la lune, la nuit, la fille elle est toute blanche, on dirait vampire. Bon là, ça fait coupe de mamie quand même. La robe, elle a l'air sympa. Ouais, franchement, la robe, j'aime beaucoup cette robe. En fait, elle est simple, mais elle est belle, quoi. Ça, bon, ça, voilà quoi, ça revient, Moonchild. Les enfants de la lune, d'ailleurs, vous connaissez ça, les enfants de la lune? C'est les enfants qui peuvent pas, avoir les rayons du soleil sur la peau, parce que sinon ça les brûle et tout et tout. La coupe, si diamant, ça va, elle est sympa, mais sans plus. Et on va aller voir ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? C'est quoi? C'est avec des tatous et tout? Ouais, bon, je mettrai pas 4 diamants pour ça, quoi. Ah, il y a la version de la coupe sans les flowers. Honnêtement, je préfère sans les fleurs qu'avec. Donc, finalement, c'est pas forcément une mauvaise idée d'avoir mis les diamants pour l'autre. Ça, c'est quoi, c'est ça avec la... Ça, c'est sympa, ça. Bon, forcément, du coup, faut pas mettre de coupe en dessous, mais franchement, le haut là, il est sympathique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce thème. Pour le moment, il y a des trucs qui m'intéressent. On va aller voir ensuite. Les chaussures sont sympas aussi. Tais-toi, le chat! Là, on met la petite robe. Non, la robe, elle est sympa aussi. Franchement, ouais. Moi, ouais, je valide. Ça, c'est sympa. J'aime bien aussi. Mais ça, il faut mettre des chaussures avec, je pense. Bon, la jupe, ça fait un peu... Voilà, quoi. Je bohème, mais ça passe. J'aime beaucoup ce collier, par contre. Dommage qu'il se voit pas beaucoup. Ils auraient dû faire la chaînette peut-être un peu plus épaisse pour qu'on la voit mieux. Oh. En plus, c'est pas une coupe VIP et... Non. Sur image, elle avait l'air bien, mais sur ma movie star, ça le fait pas trop. Mais ça, c'est ce qu'il y avait déjà dans le thème d'avant, ça, non? Ça, ça va où sur le bras? Ça j'aime bien, mais pareil, on le voit pas beaucoup. Faudrait peut-être changer la couleur, le mettre peut-être en vert ou en gris. Ouais, même en gris, je pense qu'il se verra pas trop. C'est pareil, c'est sur le bras. C'est assez fleuri comme thème, hein. Je pensais pas qu'il serait aussi fleuri. Alors, est-ce que c'est une robe rare, celle-ci, du coup? Puisque elle est à moins 50 en diamant. Peut-être que je me la prendrai, mais pas en cette, enfin, pas en ce coloris là. Ah. Oui, mais ça c'était déjà ça. Ça je l'ai déjà acheté. Je l'ai déjà acheté ça. Ça aussi je l'ai déjà acheté. Donc en fait c'est des rares à moins 50 là qui sont revenus. Ça c'est sympa. Je sais pas si je l'ai acheté celui-là. Je sais plus. Si tu mets ça avec ça, ça fait beau. Oh non. Mais moi j'aurais bien aimé que c'est que la chaînette en fait elle aille en dessous du vêtement et pas au-dessus. De toute façon si je la mets ouais même comme ça ça fonctionne pas. Bon, comme d'habitude, hein, les gens ils klaxonnent dehors, hein, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, bah ouais, regardez ça, on l'a déjà acheté. Ça, je l'avais déjà acheté, ça. J'avais déjà acheté, ça en plus c'est pas beau. Ça, je sais pas si je l'ai acheté par contre. Bon, dans le doute, je vais le prendre, dans le doute, hein, on sait jamais. Je préfère l'avoir en double et après pouvoir vous l'offrir que de pas l'avoir pris et après me dire oh, mince, j'aurais dû le prendre. Parce que je rappelle que voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit attention 15L parce que les trucs qui sont à moins 50 ce sont des objets qui disparaissent à tous les packs qui reviennent à pack en fait. Et du coup ben, c'est un peu comme des rares pour moi. Et je rappelle pour la vidéo que j'avais fait sur les ultra rares, je rappelle que d'après moi, chacun sa définition du mot rare. Pour certaines personnes, les objets qui sont pas catégorisés rares ne sont pas des rares. Pour moi, des objets qui apparaissent et disparaissent dans la boutique, pour moi, ça reste quand même des rares, quoi. Puisque on peut ne plus les revoir, on ne sait même pas si elles reviendront l'année d'après. Peut-être qu'elles reviendront, hein. Peut-être que même elles resteront et qu'elles disparaîtront pas cette année. On ne sait pas, c'est un peu le... comment dire...
la loterie, quoi, donc tu sais pas trop. Mais moi, dans le doute, je préfère prendre et les avoir qu'après regretter de me dire « Oh mince, j'aurais dû les acheter. » Oh, ça, c'est trop chelou. C'est trop chelou, Oh, je vais le prendre, parce que c'est trop chelou. La fille, elle achète des trucs chelous. C'est trop chelou, du coup, je le prends, hein. D'ailleurs, on est quand même à 7. Est-ce qu'il y a encore une 8e page? Oui, il y a encore une 8e page. Lol. On dirait une elfe. Et qu'il y a des cornes cachées. Qu'il y a des cornes cachées. Ça, c'est quoi? Ok, ça, c'est une broche. Ouais, c'est assez fleuri quand même, hein, comme thème. Hein. Ah bah, je suis pas trop fan. Par contre, j'aime bien les tatous comme ça. Dorés. Faudrait que je teste ces tatous là, que je me change ma peau, faire une peau beaucoup plus métissée. Je pense que ça ressortirait beaucoup plus les tatous dorés, parce que moi j'adore ça. J'adorerais avoir une peau bronzée et faire les faux tatouages dorés sur la peau là, vous savez lesquels. Je trouve ça tellement beau. Mais malheureusement pour moi, hein, je suis blanche comme un cachet d'aspirine comme on dit. Et ben écoutez, on a fait le tour de ce thème là, franchement il est sympathique. Moi j'ai envie d'aller retourner dans le top pour voir au niveau des... est-ce que les objets sont encore là? Enfin, vous savez, ceux qui étaient à moins 50. Est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce qu'il y en a des nouveaux ou pas? Alors, celui-là, je me rappelle qu'on l'avait déjà. Je me rappelle relativement de ce que j'ai déjà acheté. Donc ça, je l'ai déjà pris. Ça, bah du coup, je crois que je l'ai pris. Hein. Il me semble que je l'ai pris. Vous voyez, il y en a encore. Alors, robe-là, je crois que je vais me l'acheter. Hein. C'est celle du thème, franchement, elle fait bien. Et d'ailleurs, on va voir en autre couleur. En rose, regardez, ça fait trop beau, hein. En plus, il me semble qu'il y a un accessoire doré, genre ceinture dorée, qu'on peut mettre au niveau de la taille. Et je trouve qu'avec cette robe-là, ça pourrait le faire trop bien. Et même en jaune, hein, regardez. Ça fait pas... comment elle s'appelle, Princesse Sissi, je crois, je sais pas. Je crois qu'il y avait une princesse, ou même la Belle. La Belle, vous savez, dans La Belle et la Bête, elle a une robe jaune aussi. Ça fait genre trop beau. Et robe jaune aussi. Oh mon dieu, c'est magnifique. Je valide. Mais bon, je pense que je me ferai un look avec cette robe-là. Avec un collier comme ça, ça rend bien, hein. Eh bah dis donc ma chérie, tu es très très belle. Et qu'est-ce que nous avons encore? Parce que ta, il y avait ça. Ça franchement, j'ai déjà pris, mais qu'est-ce que c'est beau, j'aime beaucoup. Je trouve ça stylé. Je trouve qu'ils se sont appliqués en fait pour le faire, parce que voilà, il y a quand même des détails et tout, et je trouve que c'est trop bien fait. Ça voilà, cette coupe-là. Cette coupe-là, les gars, faut que vous la preniez, celle-ci, parce que si elle disparaît, vous allez le regretter, parce qu'elle est vachement belle. Et pourtant, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo que moi, j'étais pas fan des coupes volumineuses, mais j'aime beaucoup quand même celle-ci. Du coup, vraiment, vous la preniez si vous ne l'avez toujours pas fait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi elle est encore... Elle est de retour ici, ok. Et aussi la robe. Par contre, la robe, elle est en diamant, donc je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui pourra la prendre. Que j'ai pris ça, je sais plus si j'ai pris ça, donc dans le doute, attendez, j'enlève tout parce que je vais pas tout racheter. Mais je sais plus si j'avais pris ça, si c'y était. Si vous après, j'en ai peut-être raté, parce qu'en plus on m'avait dit oui à la page, je crois que c'était à page 14, on m'a dit que j'avais raté des chaussures dans les commentaires. Faudrait que j'aille voir ça, mais je suis plus sûre de moi en fait, donc ce serait bien que j'aille au moins jusqu'à la page 14 pour voir c'est quelles chaussures que j'ai raté, en espérant bien sûr que c'est la page 14, que moi voilà quoi, il est possible. Après, il y a peut-être les objets qu'ils ont changé de place, je veux dire. Il y a encore ça, ça aussi, je l'ai déjà. Ça, je l'ai déjà, ça pareil. Hein. Et par contre, là, vous m'avez pris la tête hein, dans la vidéo d'avant hein, avec cette coupe-là, parce que je lui ai mis, attendez, je lui ai mis du sort d'émeraude comme couleur. Un genre comme ça. Mais non, c'est du turquoise, c'est pas de l'émeraude. Je sais pas, moi je trouve pas que ce soit du turquoise hein, comme couleur. Hein. Pour moi le turquoise, oui je sais, vous allez me dire t'es daltonienne, Quinzel. Mais pour moi du turquoise, voilà, c'est celui-ci. C'est plus du bleu que du vert, le turquoise. Et moi je trouve qu'Hatsune, sa couleur, elle est plus émeraude, genre plus bleu-vert que bleu, quoi. Il y a une pointe de vert, genre comme ça, voilà. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si j'avais pris exactement cette couleur, du coup je la reprendrai. Au pire, je vous l'offrirai cette coupe. Oh, mais ça le fait bien aussi avec cette tenue. Et vous m'avez pris la tête, hein, je m'en souviens. Quinzel, tu es daltonienne. Hein. Merci. Ça, j'ai déjà pris. Et ça va, j'aime bien aussi cette coupe. Ouais, quoique. Ouais, bof, finalement. Alors, attends, 14. Ben là, je vois pas. Non, je pense que ça va peut-être aussi changer de place. Parce que même si c'est... Ou peut-être moi qui me rappelle plus c'était quoi exactement la page. Mais vu qu'avec le nouveau thème, les objets, ils ont peut-être été un petit peu décalés. Il est possible que ce ne soit plus à cette page-là.
on va tester les prochaines passes, mais... Nous allons ouvrir les prochaines passes. Les lunettes que j'ai déjà achetées. Le retour des lunettes. Ça aussi, cette robe-là, elle est sympathique aussi. Hein. J'aime bien aussi cette robe-là. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent là en ce moment. Et ça, c'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour ma santé mentale. Parce qu'après, je vais trop réfléchir à qu'est-ce que je dois porter. Bon, pour l'instant, je mets bien mon loup. Faut quand même que je remette les autres cheveux. Parce que bon, c'est pas mal. Hein. La coupe, elle passe. Mais quand même. Alors là encore, il y a du moins 50. Donc franchement, après, hein, je rappelle que si... vous n'êtes pas obligé de prendre ces objets-là, quoi, parce que, bon, il y a quand même... Oh, merci Myriam! Merci beaucoup pour la salutation, ça fait plaisir, merci, je te fais un très très gros bisou, bah merci beaucoup à toi pour la salutation. Bah écoutez, on va s'arrêter sur cette belle salutation. Je trouve que ça tombe bien. Écoutez, eh bien, le thème est sympathique. Le thème est sympathique, voilà, j'aime bien. Et du coup, bah merci à toi Myriam pour la salutation, je te fais un très très gros bisou. Et sur cette salutation, moi je vais vous dire à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. D'ailleurs, à 17h30 aujourd'hui, au moment où j'aurai posté la vidéo, et la fille qui va se vomir dessus, eh bien vous avez la sortie du 100 Baby Challenge à 17h30, la suite. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao à vous, portez-vous bien.